Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va donc voir les nouveautés watchOS 6 et dans un premier temps, la plus grosse des nouveautés. Vous savez que l'Apple Watch va devenir autonome du côté des applications. C'est donc sur Vision High Tech que vous allez découvrir toutes ces nouveautés watchOS 6. On a déjà fait donc deux vidéos sur les nouveautés accessibilité iOS 13. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, pensez à liker et à partager la vidéo avec tous vos amis. Allez donc, c'est parti pour toutes ces nouveautés watchOS 6. Apple, lors de la dernière WWDC, a présenté watchOS 6 et iOS 13. watchOS 6 s'améliore vraiment de beaucoup plus de fonctionnalités et libère notre montre un peu plus de notre iPhone, puisque watchOS va devenir complètement autonome sur l'installation des applications sur notre montre. Apple a donc libéré notre montre avec watchOS 6 et toutes ses nouveautés et nous a mis un App Store propre à leur montre. Avec le voice-over, c'est vraiment plus pratique de voyager sur notre Apple Watch que de le faire sans le voice-over. Voilà donc pourquoi aussi vous allez entendre le voice-over tout au long de cette vidéo, aussi bien sur iPhone que sur l'Apple Watch, car l'accessibilité est au cœur de la chaîne Vision High Tech. Partageons donc tous ensemble cette accessibilité, faisons tous ensemble un bout de chemin pour montrer donc que tous ces produits sont accessibles à toutes les personnes, que ce soit les personnes en situation de handicap ou les seniors. Si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de produits high-tech, c'est accessible aux personnes mal et non-voyantes, aux personnes avec des problèmes d'audition, aux personnes avec des problèmes des membres supérieurs, tout ce qui est TMS. Tous les produits high-tech deviennent de plus en plus accessibles et c'est le but de la chaîne. Donc voilà, donc notre Apple Watch s'est transformé avec watchOS 6. Et on a maintenant accès à un App Store complètement personnalisé à notre montre. Deuxième gros point de watchOS 6, ce sont les cadrans. Donc la montre s'est améliorée avec deux cadrans. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons voir tous les cadrans accessibles. Tout simplement, vous allez donc sur l'application Watch. Une fois que l'application est ouverte, tout en bas, vous allez découvrir les cadrans. Donc on ouvre et ici on a toute une série de cadrans énormes, dont les deux premiers qui sont des cadrans propres à watchOS 6 du nom de chiffres duo et chiffres mono. On va passer donc au crible tous ces cadrans et vous allez voir que l'Apple Watch est vraiment très fourni en termes de cadrans. C'est parti. Galerie de cadrans. Nouveauté de watchOS. Chiffre duo. Chiffre mono. Accéléré. Maclac, New York, Hong Kong, Londres, Paris, Shanghai, activité, activité analogique, anneau, blanc, activité analogique, sous-cadran, blanc, activité numérique, seconde, blanc, animation, animation, méduse, animation, fleur, animation, papillon, astronomie, astronomie, terre, astronomie, Lune, astronomie, système solaire, chiffre, chiffre, standard, bleu roi, chiffre, pochoir, bleu roi, chiffre, rayure, bleu roi, chiffre, pointillé, bleu roi, chiffre, ciselé, bleu roi, chiffre, prisme, bleu roi, chiffre, arrondi, bleu roi, chiffre duo, arabe occidental, plein, rouge. Chiffre duo, arabe oriental, plein, rouge. Chiffre duo, Devanagari, plein, rouge. Chiffre mono, arabe occidental, plein, bleu roi. Chiffre mono, arabe oriental, plein, bleu roi. Chiffre mono, Devanagari, plein, bleu roi. Chiffre mono, chronographe, 60 secondes, bleu foncé. Chronographe,
60 secondes. Gris foncé. Chronographe. 60 secondes. Marron foncé. Chronographe. 60 secondes. Vert foncé. Chronographe. Couleur. Couleur. Papaye. Circulaire. Couleur. Papaye. Cadran. Couleur. Menthe verte. Circulaire. Couleur. Menthe verte. Cadran. Couleur. Bleu de Delft. Circulaire. Couleur. Bleu de Delft. Cadran. Exploration. Exploration. IV. Rouge. Exploration. II. Rouge. Exploration. 2. Rouge. Exploration. I. Rouge. Extra large. Extra large. Papaye. Extra large. Jaune canari. Extra large. Menthe verte. Extra large. Bleu céruléen. Extra large. Lilas. Extra large. Bleu de Delft. Extra large. Fruit du dragon. Feu et eau. Feu et eau. Feu. Feu et eau. Eau. Kaléidoscope. Kaléidoscope. Fleuri. Facette. Kaléidoscope. Fleuri. Radial. Kaléidoscope. Fleuri. Rosace. Métal liquide. Métal liquide. Argent. Métal liquide. Or. Métal liquide. Noir. Mickey Mouse et Minnie Mouse. Mickey Mouse. Rouge. Minnie Mouse. Rouge. Modulaire. Modulaire. Multicolore. Modulaire. Papaye. Modulaire. Jaune canari. Modulaire. Menthe verte. Modulaire. Bleu céruléen. Modulaire. Lilas. Modulaire. Bleu de Delft. Modulaire. Fruit du dragon. Photo. Favorite. Ce cadran affiche une nouvelle photo chaque fois que vous levez le poignet ou touchez l'écran. Choisissez un album, un souvenir ou jusqu'à 24 photos personnalisées. Respirez. Respirez. Classique. Respirez. Calme. Respirez. Impact. Simple. Simple. IV. Orange clair. Simple. I. Orange clair. Simple. 2. Orange clair. Simple. I. Orange clair. Siri. Siri. 0. Couleur de Siri. Informations utiles affichées au moment opportun tout au long de la journée. Solaire. Solaire. Toy Story. En tête. Toy Story. Coffre à jouets. Ce cadran met en scène des personnages emblématiques avec des animations personnalisées réalisées exclusivement pour l'Apple Watch. Utilitaire. Utilitaire. IV. Orange clair. Utilitaire. I. Orange clair. Utilitaire. 2. Orange clair. Utilitaire. I. Orange clair. Vapeur. Vapeur. Bleu barre oblique vert. Vapeur. Noir barre oblique blanc. Vapeur. Rose barre oblique orange. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, énormément de cadrans sont disponibles et ceci entièrement gratuit sur notre Apple Watch. Nouveaux écrans qui au fur et à mesure étoffent notre Apple Watch. C'est vraiment très sympathique. On a une possibilité d'enlever le voice-over de votre montre et pour ceci, on appuie 3 fois sur le bouton de la couronne. Voice-over désactivé. Avec la nouvelle version WatchOS 6, si on pose 2 doigts sur l'écran, 15h10, 15h10. On entend donc l'heure simplement en posant 2 doigts, on laisse poser et l'heure nous sera dictée. Mais attention, il faut que le voice-over soit désactivé pour entendre cette fonctionnalité. On va réactiver le voice-over 3 fois sur la couronne. Voice-over activé. En termes de nouveautés, WatchOS 6, on a donc la possibilité que la montre nous annonce l'heure toutes les heures ou toutes les 30 minutes. Aujourd'hui, Siri est capable de gérer Shazam et capable de reconnaître des musiques qui passent, par exemple ici. Qu'est-ce que j'écoute ? Voilà, donc ici Siri est capable de gérer entièrement Shazam et de reconnaître toutes les musiques que vous allez écouter. Avec WatchOS 6, on a donc aussi une nouvelle petite gestuelle pour avoir donc l'horaire en termes de vibration. Ça existait déjà, mais on a maintenant différents tapotements. À l'intérieur de WatchOS 6, on a maintenant une application qui va permettre, la montre va écouter pour vous et grâce à l'application Santé, elle va déterminer l'environnement, les bruits sonores qui vous entourent et vous envoyer une notification si vous êtes dans un endroit trop bruyant.
Parmi les nouveautés de watchOS 6, on va avoir, si on rentre dans les différents menus, Audio Books. C'est une des nouveautés watchOS 6, ce qui veut dire que si vous téléchargez à partir de votre iPhone un audiobook, vous allez pouvoir l'écouter à partir de votre montre en toute autonomie. Ce qui veut dire que on va être sur du hand-off, ce qui veut dire que ce que vous commencez comme tâche sur votre iPhone pourra se terminer sur votre Apple Watch et vice-versa, ce qui veut dire que vous allez reprendre votre livre là où vous l'avez fini et ça c'est vraiment super. Dans watchOS 6, on va trouver aussi la calculatrice, la même que l'on rencontre sur notre iPhone. Ici, je vous l'ouvre. Et on a donc une petite calculatrice très sympathique que l'on peut servir et qui est bien sûr complètement accessible. Cycle tracking. Alors ici, Apple a pensé aux dames et grâce à cette fonctionnalité, toutes les femmes vont pouvoir suivre leur cycle menstruel en temps réel. C'est grâce à l'Apple Watch et l'application Santé que vous retrouvez dans votre iPhone que vous allez pouvoir gérer tout ceci, encore une fois, accessible. Sur l'Apple Watch, on a maintenant le dictaphone qui est entièrement gérable, accessible. Et qui permet donc d'enregistrer des notes vocales, ce qui va permettre d'avoir sur soi un dictaphone toujours présent et toujours accessible. Là, par exemple, je fais un enregistrement. On va l'arrêter. On peut donc aller sur le bouton enregistrement. On peut aller sur le bouton lecture. Voilà, comme vous avez pu entendre, le dictaphone complètement accessible sur l'Apple Watch. Et ça, c'est encore une option complètement accessible. On peut être, par exemple, dans un environnement, une réunion ou autre, on peut enregistrer pour ensuite reprendre des notes. On va continuer. Voilà donc pour toutes ces nouveautés watchOS 6 sur notre Apple Watch. Toutes ces nouveautés vont être donc compatibles normalement avec la série 3, la série 4, bien sûr. Avec tous ces nouveaux cadrans, ces nouvelles fonctionnalités, dictaphone, calculatrice, cycle menstruel, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur Vision High Tech. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, pensez bien à vous abonner sur la chaîne Vision High Tech, à partager. Allez, à bientôt. Salut, salut!